Bonjour à tous, c'est Troufman d'Overclocking TV. On est au Computex à Taipei. Actuellement, on est dans la 101 chez Gigabyte. Et derrière moi, il y a 6 grands overclockers qui sont en train d'overclocker du matériel de toute qualité. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train d'utiliser? Ils sont en train d'utiliser la Z97X SoC Force LN2. C'est la carte spéciale que Gigabyte a annoncée dernièrement. Vous pouvez même regarder la vidéo qui devrait s'afficher quelque part sur l'écran, par ici, par là. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir la vidéo. Et aussi, ils sont en train de tester différentes affaires, aussi bien d'essayer de faire plus avec la mémoire. On a déjà eu l'information de Dino que oui, ils peuvent faire plus. Et ils gardent quelque chose en stock pour demain, pour la compétition de Kingston. Ils sont aussi en train d'essayer un de leurs CPU. Ils ont un 4770K qu'ils ont utilisé au mois d'avril et mai dernier pour casser certains records du monde. Et c'est toujours le même, ils l'avaient testé juste avec de la 3D. Et aujourd'hui, ils sont en train de le tester pour tester, voir ce que ça faisait en 2D, genre du Super Pi, etc. Bon, ils s'aperçoivent que, en fait, il est très bon en 2D aussi. Ils arrivent à monter à un peu plus que 6.6 et ils sont en train de voir s'ils pourraient le faire tourner à 6.7 et 6.8 pour voir si ça va être intéressant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont en train de faire la démonstration sur le stand de Gigabyte et en même temps, ils préparent pour la compétition Kingston qui va se passer demain ici à Taipei, Taïwan. Dans toutes ces affaires-là, il y avait 6 overclockers. Donc, il y avait iCookie, qui bosse pour Gigabyte, bien sûr, qui développe les cartes mères pour Gigabyte. Dinos, qui est aussi travaille pour Gigabyte. Sophos, qui est Greg, qui travaille aussi pour Gigabyte maintenant depuis un mois. Il y a Dakosa, il y a Sin0822 et aussi Sniper Rose d'Australie. Enfin, tous ces gens-là, ces grands overclockers-là, sont ici aujourd'hui pour démontrer ce qu'ils sont capables de faire sur ces choses-là. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à souscrire sur notre channel YouTube, à nous donner un petit pouce super cool sur cette vidéo, nous suivre sur Facebook et même sur Twitter. Et si n'hésitez pas, si vous avez des questions, demandez-nous, on ira y répondre dès qu'on pourra. Merci et n'oubliez pas, continuez de pousser. Keep pushing it.